Les classes inversées, qu'est-ce que c'est ? Le concept de classe inversée a été introduit il y a une dizaine d'années par deux enseignants américains du secondaire, Jonathan Bergman et Aaron Sams. L'idée initiale était de bousculer les espaces-temps de l'enseignement et de l'apprentissage en proposant des leçons vidéo en dehors de la classe et en utilisant l'espace-temps de celle-ci pour mieux accompagner les élèves dans leurs apprentissages. L'objectif affiché, redonner du sens à la présence en classe. Ce concept a souvent été résumé par l'expression « la leçon à la maison, les devoirs en classe ». Pourtant, les pratiques des enseignants qui disent intégrer la classe inversée à leur travail sont multiples. Marie Soulier, professeure de français, souligne d'ailleurs qu'il y a autant de classes inversées que de profs renversants. On parle alors de classe inversée au pluriel et non plus au singulier. Le point commun entre ces pratiques ? La volonté de passer de pratiques centrées sur l'enseignant à d'autres davantage centrées sur l'élève. Ce que Héloïse Dufour de l'association Inversons la classe évoque dans le passage d'une logique de face à face à une logique de côte à côte. Marcel Lebrun, Coralie Gilson et Céline Goffinet de l'Université catholique de Louvain proposent une typologie des classes inversées. Ils distinguent trois types. Le type 1 est celui le plus proche de la définition de Bergman et Sams. La partie transmissive de l'enseignement est déplacée à distance et en classe, les élèves mènent des activités qui permettent de réinvestir ce qui a été découvert hors de la classe. Dans le type 2, les activités à distance sont effectuées par les élèves eux-mêmes de manière autonome ou en groupe en prélude à l'activité en classe. Il ne s'agit pas nécessairement de leçons sous forme de vidéo. De retour en classe, les élèves présentent les informations trouvées, identifient les différences et les similitudes avec les propositions des autres élèves. L'objectif, faire vivre un conflit socio-cognitif pour amener les élèves à trouver les réponses aux questions qu'ils se posent. Enfin, le type 3 serait le résultat de l'hybridation des types 1 et 2. À distance, les élèves sont amenés à se questionner sur un sujet à partir de leurs représentations, leurs expériences concrètes. En classe, ils confrontent leurs avis, formulent des hypothèses, esquissent des modélisations. À distance, de nouveau, l'enseignant apporte des ressources théoriques liées aux questionnements qui ont émergé en classe. Les élèves vont utiliser ces ressources pour expérimenter, appliquer et recontextualiser ce qui a été étudié. Cette vision systémique des événements d'apprentissage mobilisés dans les classes inversées est explicitée dans ce schéma qui reprend le cycle de Kolb et les travaux de Tardif. Quel que soit le type de classe inversée et l'empreinte personnelle que met l'enseignant dans sa classe, les objectifs des classes inversées sont souvent les mêmes. Parmi eux, amplifier les interactions personnalisées entre les élèves et l'enseignant, afin de créer un environnement de travail dans lequel les élèves prennent la responsabilité de leurs apprentissages. Stimuler les élèves et les engager dans le travail en leur proposant de répondre aux questions qu'ils se posent et non plus seulement à celles posées par le professeur. Ouvrir le temps de la classe sur d'autres espaces-temps. Les contenus travaillés sont ainsi accessibles tout le temps pour des révisions, de la remédiation, pour les élèves absents. Alors finalement, les classes inversées ne sont ni une révolution pédagogique, ni un remède magique. Mais elles ont le mérite de placer l'enseignement dans une conception constructiviste du développement et des apprentissages qui permettent à l'élève d'être acteur et créateur. Par la liberté d'action qui peut être donnée aux enfants, par le travail et les responsabilités, par le jeu ou le projet, on se rapproche des modalités d'action des pédagogies actives développées par Dewey, Claparède ou encore Freinet et les tenants de l'école institutionnelle. Les classes inversées ne sont absolument pas nécessaires à ces approches, mais elles peuvent être un point de départ, une porte d'entrée vers des pédagogies actives.